monde. On s'est retrouvé aujourd'hui un week-end suite à l'agapé de notre église. C'est bien de passer des moments ensemble entre frères d'église et soeurs, tout le monde. Voilà, ça fait du bien pour changer un peu, surtout s'arrêter. Voilà, c'est notre grande famille, surtout c'est très important. Nous qui connaissons la parole de Dieu, qui connaît le Père le Tout-Puissant, l'être suprême. Donc il nous est vraiment très important des fois de faire des agapés comme ça, pour les comptes d'église, se retrouver entre les sœurs, tout ça là, et que tout le monde s'en va. Puis voilà, ça se passe bien. D'autres qui ne sont pas encore venus qui vont arriver parce qu'ils ne vont pas tarder à venir. Moi, deux fois comme ça, six mois, et puis voilà, c'est bien. Ça fait du bien. En tout cas, on a aimé l'idée de pasteur Félix qui a eu cette initiative de faire. Très accablant, voilà, c'est ça. Et nous remercions Dieu pour cela. Bonjour, donc je vois le nom de la journée Agapé, donc Église et JCV. Donc l'idée est passée à Jean-Félix, donc est toujours pour soutenir Evre et Amour, parce que le nom de la journée manque vraiment bien, très bien. Le climat, donc PPJS, tout hors Église et JCV. Oui, shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et j'ai béni l'Éternel pour la grâce et l'opportunité qu'il nous a offert de se retrouver durant ces brefs moments. Je rends gloire à Dieu pour son amour et pour sa bonté. Nous sommes ici dans ces merveilleux lieux, un lieu agréable, afin de faire, d'appliquer certaines habitudes que les disciples avaient. C'est un agapé, c'est un temps de partage d'amour et de partage de fraternité entre tous les enfants de Dieu, des peuples de Dieu. Nous sommes réunis ici afin de prendre un petit temps de partage, que l'Éternel est en train de faire des choses merveilleuses, que des bons, des bienfaits, des choses de Dieu s'opèrent parmi nous. C'est un temps de joie, des enfants sont au parc et nous sommes là en train de partager par l'amour et par la bonté de Dieu, afin que toutes les bonnes choses de Dieu s'opèrent et se réalisent dans notre vie. Nous croyons et à votre soutien, nous savons que vous allez nous soutenir et contribuer davantage pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, afin que nous puissions bénéficier des bonnes choses de Dieu et pour l'amour et pour la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous ne cesserons jamais de partager avec vous. Chaque fois que l'Éternel nous donnera la faveur, la grâce de venir auprès de vous, afin de partager pour son amour et pour sa bonté et pour la grâce de Dieu, pour que tous les bienfaits de Dieu s'opèrent dans votre vie, nous allons venir afin de partager avec vous des moments agréables pour la gloire ainsi que pour la bonté de l'Éternel. Donc je vous conduis avec moi, on va aller voir des enfants là où ils jouent, on va aller voir des gens qui ont combattu, qui ont tout fait pour que ces moments de partage d'agapé soient un moment agréable au milieu des peuples de Dieu, et que par laquelle que j'implore toutes les bénédictions des mamans qui s'est bâties, des hommes qui s'est bâties, qui s'est donné à fond pour que ce jour soit un jour rempli de réussites, afin que tous les bienfaits de Dieu s'opèrent dans notre vie, afin que nous puissions glorifier l'Éternel et bénir le nom de l'Éternel. Nous rendons gloire à Dieu pour ces moments, pour sa bonté, pour tous les bienfaits que l'Éternel a réalisés dans notre vie. Et je sais et nous croyons que l'Éternel fait encore davantage. Et nous allons célébrer le nom de l'Éternel et que toute la manifestation de l'Esprit Saint opère dans notre vie pour sa gloire et pour sa bonté. Nous avons pris ces moments et nous ne cesserons jamais, chaque fois que nous aurons des activités du genre agapé, et des temps de prière, nous sommes venus aussi profiter, visiter ces forêts. Pourquoi? Parce qu'il est aussi nécessaire, quand il fait beau, de prendre un temps de retraite, de temps de se retirer dans la vie réelle, dans la vie normale, aller vers l'Éternel pour aller chercher la face de Dieu. La même manière que Moïse faisait, et lorsqu'il était avec des enfants d'Israël, il quittait
des enfants d'Israël pour aller à la rencontre de son Créateur, à la rencontre de Dieu, pour aller prier, demander et passer un moment d'intimité avec Dieu. Nous aussi, nous le ferons pour la grâce ainsi que pour la bonté de Dieu, afin que toutes les bonnes choses de Dieu s'opèrent et se manifestent dans notre vie. Et que je dis merci à Dieu pour son amour et pour sa bonté et pour toutes les bonnes choses que l'Éternel est en train de réaliser dans notre vie. Et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Suivez-moi et marchez avec moi. Nous allons aller voir ceux qui s'occupent de la cuisine. Nous allons non seulement voir ceux qui s'occupent de la cuisine, nous allons essayer de visiter, de voir là où il y a des enfants qui jouent. Et nous allons non seulement voir là où les enfants qui jouent, et nous allons aussi aller voir des mamans qui se battent tous les jours et tous les temps pour essayer de contribuer, de faire des choses pour nous. Nous préparer quelque chose à partager et que nous allons essayer de partager, de prendre leur avis et de savoir aussi ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à cette activité. Et nous croyons par l'amour ainsi que par la grâce de Dieu, l'Éternel fera des grandes choses et que la bonté de Dieu va se manifester dans votre vie et dans notre vie. Et vous êtes une bénédiction pour nous. Continuez à prier pour nous, à nous soutenir dans la prière, à nous donner des conseils comme d'habitude, comme vous faites toujours. Et faites-les afin que la gloire, la bonté de Dieu s'opère dans votre vie, afin que nous aussi, nous puissions glorifier ensemble avec vous le nom de l'Éternel. Dieu est merveilleux, l'amour de Dieu est sur nous, et que la paix de Dieu et la bonté de l'Éternel s'opèrent dans notre vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Suivez-moi. Tu peux nous montrer les toboggans? Tu peux nous montrer? Allô? Oui? Vous venez? Allons nous montrer, allons voir le tout grand toboggan. Allons ensemble, on y va, allez, on ne perd plus. Voici le toboggan, le grand toboggan, il est par là. Une petite démonstration. Voilà, elle a, je crois qu'elle a un peu la honte. Oh, si j'ai. Il y a des deux dents pour voir que le vrai.
Et vous voyez celui-là? On commence par le petit. On va regarder. Qu'est-ce que vous dites par rapport à Agapé? S'il y a quelque chose à dire, vous pouvez dire, ça se passe comment alors? Bien. Bien? Et comment tu trouves le temps pour les chrétiens de prendre le temps de partager, comment tu as trouvé? Ben, c'était bien. C'était bien. Oui. Tu as profité aussi au parc, non? Surtout qu'il fait beau et... Ben, c'est bien.
Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, on est parti au parc. Au parc. En fait, ce parc, il est un peu particulier parce que en fait... Et il y a un grand toboggan. Parce qu'en fait, il y a une place pour faire cuire les camundélés et dans les autres parcs, il n'y a pas de place pour faire cuire les camundélés. Et il y a aussi des délais, il n'y a pas de barbecue. Et parce qu'aujourd'hui... Il n'y a pas de la brochette. Parce qu'aujourd'hui, c'est... Attends, doucement.